Voilà. Merci beaucoup, Nicoletta, pour cette excellente question. Vous savez, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a révisé ses statuts en 2010. Et cette révision avait pour but de la rendre indépendante, entre guillemets, des gouvernements, comme c'est à la mode dans les pays occidentaux, comme la BCAO, soi-disant indépendante des pays membres de l'Union, de la zone euro, et ainsi de suite. Donc, quand la Banque centrale a décidé qu'elle devait être indépendante des gouvernements des pays membres de l'Union, elle a créé ce comité de politique monétaire qui est maintenant chargé de définir cette politique monétaire à la place du Conseil des ministres de l'Union qui en avait la charge auparavant. Et dans ce contexte, ce qu'il faudrait remarquer, c'est que ce comité de politique monétaire est représenté par chaque pays, bien sûr, mais par la France également. Il y a un administrateur français au sein de ce comité de politique monétaire qui a droit au vote en cas de vote. Le français a une voix délibérative, comme on dit. Mais le président de la Commission de l'Union monétaire économique ouest-africaine, président de la Commission de l'UMOA, lui, il peut participer aux discussions, mais il ne peut pas voter. Le français peut voter, mais le président de l'UMOA a ce qu'on appelle une voix consultative. Il vient, il peut parler, il peut dire, donner son opinion, mais s'il y a nécessité de vote, lui, il ne peut pas voter. Et c'est ça qui explique la raison pour laquelle aujourd'hui, la politique monétaire est décidée par quelques individus en dehors des instances qui ont été élues par les peuples africains pour décider des politiques monétaires. Et c'est ça la réalité aujourd'hui au niveau de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Bon, voilà, peut-être pour un public européen qui ne comprend pas, voilà le parallèle que je peux faire. Il y a la zone euro qui est composée des différents pays qui utilisent l'euro, il y a la Banque centrale européenne et il y a le comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne qui définit donc la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est un peu le parallèle ici. L'UMOA réunit les pays, tous les pays, sont 8, qui sont membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est chargée d'appliquer les politiques monétaires dans l'espace de l'UMOA, dans l'espace des 8 pays. Et la politique monétaire de cette banque est définie par le comité de politique monétaire dans lequel sont représentés les 8 pays et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France et également le président de la commission de l'UMOA. C'est un peu, voilà, comment les choses pour simplifier, comment ça se passe. Vous voyez, nous luttons pour la souveraineté monétaire parce que nous pensons aujourd'hui que les pays africains n'ont pas de souveraineté sur leur politique monétaire. Parce que pour nous, le franc CFA n'est pas notre monnaie. C'est une survivance coloniale que la France utilise pour continuer sa domination sur nos pays. Cela explique ce qui s'est passé en 1994, parce que la dévaluation a été décidée par Paris avec le soutien du Fonds monétaire international. Les chefs d'État africains ont été informés. On ne leur a pas demandé leur avis, on est venu les informer. Et l'humiliation a consisté d'abord à prendre une décision sans leur aval et ensuite à leur envoyer des fonctionnaires, parce que c'était le ministre de la Coopération, plus le directeur général du Trésor, le directeur du Trésor français et plus le directeur général du FMI.
Ils ont réuni les chefs d'État et de gouvernement à l'hôtel qui s'appelle aujourd'hui King Fahd Palace. Et on les a informés. Et à l'époque, le président du Sénégal, Abdou Diouf, disait qu'il avait pleuré. Omar Bongo, paix à son âme, ou Eyadema, paix à son âme également, avait dit, oui, on ne nous a pas demandé notre avis. Quand ils sont sortis, ils ont dit, oui, on ne nous a pas demandé notre avis. On a dit, c'est décidé. Ouais. Donc, décision prise à Paris, et on envoie des subalternes pour informer des chefs d'État africains. Pas de ministre de rang, encore moins le Premier ministre, qui était à l'époque M. Balladur, encore moins le président, qui était à l'époque François Mitterrand. Aujourd'hui, je vous dis, 20 ans après, le même scénario pourrait se répéter. Parce qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, les chefs d'État africains n'ont rien fait pour recouvrer leur souveraineté sur la politique monétaire. Ils utilisent toujours le franc CFA. La moitié des réserves est toujours déposée au sein du trésor français. Les politiques suivies par la banque, par les banques centrales, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, sont calquées sur les politiques de la Banque centrale européenne. Et ces politiques n'ont rien à voir avec les réalités économiques et sociales de nos pays. Et d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte de la cherté du coût de la vie ici, qui n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat des Sénégalais ou des autres pays africains. Donc aujourd'hui, si la France décidait encore de dévaluer, c'est elle qui va prendre la décision et elle enverra encore des subalternes pour informer les chefs d'État africains. Donc nous n'avons, jusqu'au moment où je vous parle, aucune souveraineté sur nos politiques et le sort du franc CFA, comme nous le disons souvent, se décide à Paris et à Francfort, le siège de la Banque Centrale Européenne. Le sort du franc CFA ne se décide pas au Sénégal, ici à Dakar, siège de la BCAO, ni à Yaoundé, qui est le siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. Voilà, voilà la réalité d'aujourd'hui. Et ça va encore plus loin, parce que aussi les décisions qu'on prend au sein de la Banque centrale, il y a des représentants français. C'est pas seulement cette comité spéciale qui a été créé, mais même non, attendez, je veux juste oui, non, c'est juste voilà. Et donc même au sein de l'institution de la BCAO, oui, il y a encore des représentants français. Mais bien sûr, au sein du conseil d'administration, la France est représentée. Et pour des décisions majeures, il faut le consensus. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité. Mais si, par exemple, les représentants de la France disent non, ça veut dire que les Africains ne peuvent pas décider de politique qui, dans le contexte de leur politique de développement. C'est-à-dire que les Africains ne pourront pas décider de politique monétaire en faveur de tel ou tel secteur. Pour des décisions majeures, les Africains auront les bras liés, les mains liées, si les administrateurs français disent non, nous ne sommes pas d'accord avec telle politique. Voilà la raison. Voilà. Je donne l'exemple de la Banque Centrale Européenne. Supposez qu'il y ait des représentants des États-Unis au sein du conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne. Et que pour certaines décisions, il faut l'unanimité. Et que les Européens disent nous sommes d'accord pour suivre telle politique, et que les Américains disent messieurs, nous ne sommes pas d'accord. Et les Européens ne pourront pas faire passer cette politique. C'est exactement ça qui se passe en Afrique.
50 ans, bientôt 60 ans après les indépendances. Pour ce qui concerne en tout cas l'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies françaises, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voilà. Non, et oui, vous avez peut-être déjà parlé de ça, en effet, mais le fait de faire le pooling, comme on dit en français, de mettre toutes les ressources au trésor français, au moins 50%, mais j'étais curieux parce que Capo, pendant le colloque sur le CEPA, il parlait carrément pour la région et au moins de 90%, et pour le CEMAC, 98%. Des réserves qui sont tenues au trésor français. Ma question, c'est quels sont les chiffres? Est-ce qu'on a une visibilité des chiffres? Et une autre chose que moi, comme je ne suis pas économiste, je ne comprends pas, et c'est chaque année comme ça, mais après, l'année est finie. Quand l'année est finie, qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Les accords passés avec la France stipulent que pour garantir, entre guillemets, la convertibilité du franc CFA, les pays africains doivent déposer la moitié de leurs réserves de change chaque année. Mais le problème, c'est que c'est théorique. Ils peuvent déposer plus, si vous voulez. Et ça, c'est la décision de la Banque centrale. Parce que les réserves de change sont centralisés au niveau de la BCAO pour l'ensemble des 8 pays. Donc c'est elle qui décide du placement. Mais elle sait que, tout le monde sait, que la moitié au moins, si on a, je vous donne un exemple pour être plus, peut-être plus terre à terre pour quelqu'un qui ne connaît pas le problème. Si à la fin de l'année, tout ce que nous vendons à l'extérieur, moins ce que nous avons acheté, c'est ça les réserves de change. Ce que nous gagnons comme dollar, comme euro, comme yen, ou comme yuan chinois, ou quelque chose comme ça. Supposons, on a 10 milliards en termes de dollars, 10 milliards. Les 5 milliards, on doit les déposer à Paris. Et les 5 autres milliards, à la Banque centrale. Mais la Banque centrale peut prendre la décision de 5 milliards, je peux toujours déposer une partie de ces 5 milliards, prendre 3 milliards, les déposer encore à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fin de compte, il va lui rester juste 2 milliards sur les 10 milliards que nous avons gagnés ensemble comme pays membre de la Banque centrale. Or, les chiffres, ils varient. Il y en a qui vous disent, il y a 8 000 milliards de francs CFA qui dorment au niveau du trésor français, alors que nous sommes en train de chercher de l'argent pour investir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les transports, dans l'éducation, dans la santé, etc. On va chercher de l'argent auprès de l'Union européenne, auprès des États-Unis, auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI, ainsi de suite, alors que nous avons 8 000 milliards ou 10 000 milliards de francs CFA qui dorment au niveau du trésor français. Ça, c'est une des critiques. Pourquoi cet argent est-il gelé là-bas alors que nous en avons besoin? Parce que tout simplement, nous n'avons pas le choix, entre guillemets, à cause des accords monétaires passés avec la France. Voilà la réalité. Mais les chiffres, ils varient. Ils peuvent être 8 milliards, demain ils peuvent être 5 milliards. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, la moitié de ce que nous gagnons comme devise est déposée au niveau du trésor français. Mais finit l'année, il reste là? Oui. C'est ça que je ne comprends pas. Et ça s'accumule avec les années? Oui, parce que chaque année, c'est-à-dire que chaque année, vous savez, les réserves... elles servent à quoi? Elles servent à garantir les importations, les achats de l'extérieur, ce qu'on appelle les importations. Elles servent à garantir la stabilité de votre monnaie, à couvrir votre monnaie contre la spéculation. C'est-à-dire si, par exemple,
y a des gens qui veulent attaquer le franc CFA, en mettant beaucoup de francs CFA sur le marché pour que sa valeur baisse. La banque centrale, si elle a des dollars, elle peut acheter ses francs CFA pour essayer de stabiliser sa valeur. Donc, les réserves servent à protéger la monnaie, si vous voulez. Mais chaque année, parce que chaque année, vous savez, ce que nous vendons à l'extérieur, ça peut augmenter ou ça peut diminuer. Ce que nous achetons de l'extérieur, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. Donc chaque année, il faut faire le point sur ce que nous avons. Si par exemple, on avait 50% en 2014 de ce que nous avons gagné pour 2014 en France, mais à la fin de l'année, on fait le point sur ce qu'on a gagné en 2015. Et on va voir entre 2014 et 2015 quelle est la variation des réserves de change. Parce que les réserves peuvent diminuer comme elles peuvent augmenter. Vous voyez, chaque année. Donc on avait, supposons 100 en 2014. En 2015, on peut avoir 80 par exemple. Ça diminue. D'accord ? Et donc, 80 plus les 100, ça fait 180 de réserves de change. Ça veut dire que les 90 doivent aller en France. Au lieu que ce soit seulement 50 l'année dernière, mais si ça a augmenté, il faut augmenter les réserves qui vont en France. Si ça a diminué, ben ça va diminuer le volume des réserves qui sont déposées en France. Mais toujours est-il que chaque année, on fait le point sur la variation des réserves et la moitié doit être déposée en France. Voilà le mécanisme. Voilà. C'est très compliqué. Ouais. Structurellement parlant, ça crée un liquidity crunch, non? Assèchement de liquidité. Assèchement de liquidité sur le continent. Et spécialement de l'Afrique de l'Ouest. Et l'un des manières de mesurer ça, c'est ce ratio qu'on peut prendre entre le crédit par rapport au GDP. Oui. Et je voyais que les États-Unis, par exemple, c'est 300%, l'Afrique du Sud, c'est 150%, et on retrouve dans l'Afrique de l'Ouest carrément moins de 20%. Oui. Et si on peut introduire ça. Mais le problème, ce n'est pas tellement l'assèchement de crédit, c'est les politiques des banques commerciales. Parce que les banques commerciales, ici dans l'espace du mois, ont beaucoup d'argent liquide. Mais elles ne veulent pas financer les industries, elles ne veulent pas financer l'agriculture. Et ensuite, une bonne partie de la population n'a pas de compte bancaire. Donc, si on mesure seulement les prêts bancaires par rapport au produit intérieur brut, on n'a pas la réalité du crédit à l'économie. Parce que dans le secteur informel, n'oubliez pas que chez nous, le secteur informel est très, très important. Et c'est le principal d'ailleurs. Le principal tissu économique est contrôlé par le secteur informel. Or, la plupart de ces gens-là, ils ne connaissent pas les banques. Ils ont leur circuit parallèle. Il y a des gens ici, vous allez chez eux ou dans leur magasin, il y a des millions qui dorment là. Ils ne veulent pas des banques. Donc, ils peuvent prêter à quelqu'un 100 millions. 100 millions, tout de suite. Parce qu'ils en ont les moyens. Mais ça ne passe pas par les banques. Et donc, les statistiques ne peuvent pas couvrir cela. Vous voyez ? Donc ça, c'est un des problèmes. Mais l'autre problème... Et pourquoi ils ne veulent pas les banques ? Non, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance dans le système bancaire. Parce qu'ils se disent, si je vais chez les banques, je garde mon argent, ils vont me faire des frais. Ensuite, pour le retirer, c'est un problème. Ou si je veux fermer mon compte, c'est un problème.
Et moi, je préfère garder, je vois, je le dépense quand je veux et où je veux. Oui. Donc, les banques ont beaucoup d'argent, mais elles ne veulent pas prêter aux petites et moyennes entreprises surtout. Et c'est le secteur informel qui, le plus souvent, prête, ou l'argent circule au sein du secteur informel. Mais les banques, elles financent des activités vraiment spéculatives à court terme, le commerce, la consommation, le crédit à la consommation. Quand il y a des fêtes, par exemple, Tabaski, Corité, vous verrez dans la presse des banques qui font des prêts. Vous voulez acheter un mouton, vous voulez acheter ceci, on vous prête. Donc, c'est des choses comme ça. Mais quand une entreprise veut de l'argent, une entreprise industrielle ou une grosse entreprise de transport et autres, elle va à la banque, on dit « Ah, votre dossier n'est pas tellement viable, etc. etc. » Voilà. Et c'est pourquoi le ratio dont vous parlez est très faible chez nous. Est très faible et ça explique pourquoi le système bancaire ne contribue pas au développement de nos pays. Oui, oui, mais parce que là-bas, l'argent circule. L'argent circule et ensuite, le système bancaire, il est fiable. Et les gens sont bancarisés. Pratiquement tout le monde a un compte bancaire. Et ensuite, les banques, leur intérêt, c'est de faire des crédits aux entreprises pour investir, pour faire marcher l'économie. Et ça explique pourquoi le système bancaire est tout le temps disponible pour financer l'économie aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, qui est un système bancaire beaucoup plus développé que dans la plupart des pays africains, parce que le système bancaire là-bas est un peu proche du système bancaire européen, et du temps de l'apartheid, et ça a continué. Et ça explique donc pourquoi, en Afrique du Sud, le taux de crédit par rapport au PIB soit très élevé. Même dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc, vous avez ce taux qui avoisine les 70-80%. Oui, alors que chez nous, c'est 20 ou peut-être 25%. Peut-être pour la Côte d'Ivoire, 30% pour des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est ça la différence. Donc un système bancaire qui ne joue pas le jeu, et ensuite la prédominance d'un secteur informel. Je crois que c'est les deux qui expliquent ce faible taux de crédit par rapport au PIB. Mais écoutez, le microcrédit, pour moi, ça ne peut pas être une alternative, pour plusieurs raisons. La première, c'est comme vous l'avez dit, les taux qui sont chargés, c'est des taux usuraires. Vous voyez. Ensuite, c'est que le microcrédit dit que sa principale cible, c'est les pauvres. C'est ça. C'est-à-dire, c'est par exemple dans les quartiers où les femmes qui veulent développer une activité et tout ça. Mais quand vous ciblez les pauvres et que vous surchargez, ce qui arrive, c'est que ces pauvres se trouvent pris dans un cercle vicieux. Et c'est ça qu'on a constaté au Sénégal. Oui, la Banque centrale n'a pratiquement aucun pouvoir sur les banques. Elle n'a aucun pouvoir sur les banques. Les banques peuvent charger ce qu'elles veulent, ici au Sénégal, dans l'espace du mois. Les banques peuvent charger ce qu'elles veulent. Elles peuvent charger quelqu'un 10%, un autre 15%. Il n'y a pas de norme. Et dans le microcrédit, il y a eu des scandales énormes qui ont été relatés dans la presse. Il y a eu de l'arnaque, une sorte de mafia s'est développée au sein du système de microcrédit, ce qui a dénaturé donc la mission de ce microcrédit qu'au départ, les gens voyez comme une alternative au financement bancaire classique. Oui. Mais malheureusement, comme la Banque centrale n'a pas été capable de surveiller comme il faut et que le gouvernement lui-même n'a pas été capable
de mettre en place des règles claires pour tout le monde, pour que ce microcrédit respecte ces règles. Évidemment, ça a été un peu le laisser aller, et avec des scandales qui ont fini par donner du microcrédit une image très négative. Une image très négative. Et donc, pour moi, ça ne peut pas... peut-être pour certains groupes, ça peut soulager à court terme, mais ça ne peut pas constituer une source de financement. Mais je pensais que c'était quelque chose... Et par contre, cette proposition de Abdourahmane Sarr qui propose le SEM, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un peu la même chose que le microcrédit, non? Non. On a organisé un samedi de l'économie le 7 novembre sur ça. On l'a invité, Abdourahmane Sarr. La semaine dernière, mardi dernier, il était ici, dans mon bureau. Donc on est ensemble. Je vais vous montrer. J'ai des échantillons. C'est une monnaie complémentaire. Ça s'appelle monnaie complémentaire. Le système des monnaies complémentaires, c'est de dire, j'ai par exemple, mes CFA, il y a un groupe qui est là, qui adhère à ce système de monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui acceptent les monnaies complémentaires, il y a des taxis comme celui que vous avez pris qui acceptent ça, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des boulangeries qui acceptent ça, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai 50 000 francs CFA. Je donne ces 50 000, j'achète ces monnaies-là. Donc mes 50 000 francs CFA sont gérés par ce comité. Maintenant, au lieu d'utiliser mes CFA, je vais utiliser ça en allant à la boutique, en allant à la boulangerie, en prenant le taxi, en achetant mes fruits, parce que tout ce monde-là adhère à ces monnaies complémentaires. Et l'argent, le franc CFA qu'on utilisait, est géré par un comité qui peut investir cet argent. Cet argent peut être investi dans d'autres activités. Mais c'est notre argent, c'est toujours ton argent. Si tu ne veux plus des monnaies complémentaires, tu retournes, tu rachètes, tu reprends tes CFA et on te donne, tu remets les monnaies complémentaires. C'est comme ça. C'est pas donc une monnaie qui est parallèle franc CFA. C'est une monnaie qui est à l'intérieur du système, mais qui préserve, bien sûr, la toute-puissance du CFA dans la circulation au niveau de l'espace, du moins au niveau du Sénégal, etc. Donc, ce n'est pas une monnaie qui est contre, non, c'est une monnaie qui est complémentaire. C'est très intéressant, parce que l'économie locale va bouger plus. Le Tantan Farm était un peu comme ça. Voilà. Ah, attendez, vous me donnerez... Voilà, le spécimen, la monnaie complémentaire. Voilà. Attendez, je vais faire un zoom parce que ça, c'est trop intéressant. Alors, non, je vais reprendre après. Voilà, 10 000 francs. C'est un billet de 10 000. C'est ça. Et ça va être facile à le rendre convertible. C'est-à-dire qu'on se met d'accord, on définit un taux de change entre la monnaie complémentaire et le franc CFA. Supposons qu'on dit, pour un franc CFA, nous prenons 2 francs de monnaie complémentaire, si on définit le taux de change comme ça. D'accord? Donc, quand tu déposes tes francs CFA, on te donne 2 fois des monnaies complémentaires à la place de tes francs CFA. Et c'est ça que tu vas utiliser pour aller à la boutique, pour aller à la boulangerie, etc. D'accord? Voilà. Et maintenant, s'il te reste des monnaies complémentaires et que tu veux reprendre des CFA, tu vas là-bas. C'est comme un peu un bureau de change également. Tu remets ça et selon le taux de change, on te remet des francs CFA. C'est aussi simple que cela. Et on a
projeté une vidéo pendant cette séance du 7 novembre et on a montré, cette vidéo a montré que c'est un système qui existe aux États-Unis, en France, en Italie, en Angleterre, au Canada, au Mexique. Et il y a 13 000 projets comme ça. Et moi, j'ai vu un reportage sur France 2, mais superbe, c'est vers Nantes. Il y a beaucoup de boutiquiers, de magasins, de restaurateurs qui ont accepté ça et ça marche très bien. Voilà. Oui. Et ça soutient aussi plus l'économie locale, non ? Exactement, très bien. Et surtout, ça soutient l'économie locale. Et les exemples qu'on a vus ont montré qu'avec ces monnaies complémentaires, ça donne un coup de fouet à l'économie locale. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Abdourahmane Sarr veut introduire cela ici au Sénégal. Voilà. Ah, très intéressant. Voilà. Et pour retourner au CFA, par contre, oui. Et vous avez dit que la plupart des banques à Dakar sont contrôlées par des capitaux étrangers. Oui. Comment le système monétaire CFA facilite ça ? Ben, écoutez, comment le système monétaire CFA facilite cela ? C'est très simple. Je vous ai dit que le CFA, c'est une monnaie coloniale. Et cette monnaie coloniale sert principalement les intérêts de la France. Et c'est pourquoi les entreprises françaises, les banques françaises, ont intérêt à maintenir ce système. Pourquoi ? Parce que entre nos pays et la France, il n'y a pas de risque de change. Vous voyez ? Parce qu'on a un taux de change fixe. Et il n'y a pas de contrôle de change. C'est-à-dire que vous quittez Dakar pour aller à Paris, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez avec vous. Autant d'argent que vous voulez. Parce que vous êtes dans la zone franc. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite. Donc une entreprise française peut transférer à Paris des milliards sans contrôle, sans limitation. OK ? Par conséquent, c'est un système qui les arrange. Et ensuite, dans le cadre des politiques d'ajustement structurel des années 80-90, avec toutes les privatisations imposées par la Banque mondiale et les FMI, même les quelques banques qui étaient contrôlées par le gouvernement sénégalais ont été privatisées. Et aujourd'hui, sur la place, les quelques banques, peut-être la BHS, la Banque de l'Habitat du Sénégal, quelle autre banque, peut-être c'est la seule, peut-être quelques autres petites banques dans lesquelles l'État est actionnaire. Mais sinon, la quasi-totalité des banques sont entre les mains de capitaux français, de capitaux marocains, comme la Tidjari Wafa, qui est un groupe marocain. Donc c'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les banques sont entre les mains de privés, en tout cas 9 sur 10 sont entre les mains de capitaux privés et majoritairement de capitaux français. Vous voyez ? Et c'est pourquoi l'État est impuissant. L'État est impuissant à imposer des politiques de financement aux banques. On a plus de banques de développement. L'État est obligé d'emprunter ou de demander aux banques, s'il vous plaît, il faut financer ceci, il faut financer cela. Alors qu'avant, on avait une banque de développement qui finançait l'agriculture ou quelques politiques industrielles. Ça n'existe plus. Vous voyez ? La banque centrale elle-même, elle est impuissante parce que ces banques ont beaucoup de liquidités. Elles n'ont pas besoin de se faire refinancer au niveau de la banque centrale. Donc celle-ci ne peut pas leur imposer de politique de financement. Et la preuve, l'année dernière, au mois d'octobre, je crois, 2014,
ou septembre 2014, octobre, la Banque centrale avait pris un certain nombre de mesures que les banques devraient appliquer, comme la gratuité d'un certain nombre de services, etc. Mais beaucoup de banques ici, surtout les banques françaises, ont refusé d'appliquer. Et la Banque centrale ne peut rien faire contre elle. Voilà. C'est ça. Ouais. Non, et vous avez déjà parlé de ça, le capital flight, non, la fuite du capital, vu à cette structure qui permet la libre... circulation des capitaux. Du capitaux. Voilà. Et j'ai vu, par exemple, un chiffre de 20 milliards de 2000 à 2008. Oui. Est-ce que ce n'est pas même plus? Non, c'est plus. En fait, ça dépasse les réalités. Vous savez, il ne faut pas contrôler. Parce que comme il y a la libre circulation, les banques, les sociétés, les individus peuvent rapatrier. Vous savez, les expatriés ici, ils peuvent rapatrier tout ce qu'ils veulent. Ils gagnent de l'argent ici, mais ils le rapatrient à Paris. Ça, tout ce qu'ils gagnent, ils peuvent le rapatrier. Parce qu'il n'y a pas de restriction. Par conséquent, les chiffres qu'on donne, c'est des approximations, c'est des estimations. Mais la réalité dépasse cela. Parce que chaque jour, vous savez, entre le Sénégal et l'Europe, il y a au moins 3 ou 4 vols chaque jour. Il y a Air France, il y a l'autre compagnie française, il y a Iberia, il y a Brussels Airlines, il y a Air Portugal, chaque jour. Donc entre le Sénégal et l'Europe, il y a au moins 4 ou 5 vols par jour. Et l'argent sort par tous ces canaux-là. Oui, parce que c'est la zone euro. Tout ce qui est dans la zone euro, vous pouvez rapatrier sans problème. Vous allez au Portugal, c'est la zone euro. Vous allez à Bruxelles, c'est la zone euro. Vous allez à Madrid, c'est la zone euro. Vous allez à Paris, c'est la zone euro. Il n'y a pas de contrôle. Oui. Donc, les chiffres qu'on donne, c'est vraiment des estimations. Mais la réalité est beaucoup plus importante que ça. Mais vous savez, cette convertibilité, c'est une fiction. Parce que moi, je vais à Paris, effectivement. Je vais avec ça. Bon, un gros billet, si vous voulez, 10 000 francs ou 100 000 francs CFA, par exemple. Je vais à un bureau de change. Je dis, mais vous savez, moi, je viens du Sénégal. Normalement, cette monnaie est convertible selon les termes passés entre la France et mon pays. Mais les gens vont vous dire, allez vous promener. Nous, on ne prend pas de CFA, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, c'est une fiction. Mais en fait, quand il parle de convertibilité, ça veut dire ceci. Si les pays africains sont déficitaires, ok, c'est-à-dire ils veulent acheter des États-Unis ou d'autres pays européens, mais ils n'ont pas assez de dollars ou d'euros, la France dit, je mets des euros ou des dollars à votre disposition pour vous permettre d'acheter. C'est un peu ça, la garantie. Et vous me payerez après. Oui. Parce que vos CFA ne vous permettent pas d'acheter des États-Unis ou du Japon ou de la Chine ou de l'Italie. Ils ne connaissent pas vos CFA, ils ne connaissent que l'euro ou le dollar ou l'autre. Et comme vous n'avez pas assez d'euros ou de dollars, mais vous avez un tas de CFA, moi je mets les devises à votre place et vos CFA, vous les gardez et vous me payerez après. Mais est-ce que là l'Afrique ne perd pas énormément parce que l'échange, vous avez écrit dans un de vos papiers aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec la Chine et les pays tiers, les BRIC ou d'autres pays, et pas du tout avec la zone euro. Donc ça ne reflète pas la réalité de l'échange de cette région. Et donc c'est un coût ultérieur pour un pays africain de
cette convertibilité de l'euro. Absolument. Non, vous avez parfaitement raison. D'abord, cette convertibilité est une fiction pour nous. En tout cas, pour une entreprise sénégalaise, africaine, elle sait que si elle a des CFA, elle ne peut pas les changer en France, ni en Italie, ni en Allemagne. Elle sait qu'elle ne peut pas le faire. Ensuite, ça nous handicape parce qu'on est obligé de prendre la moitié, comme on l'a dit, de nos réserves, cet argent dont on a besoin, mais on est obligé de prendre la moitié et de déposer ça en France. Bon. Et enfin, comme vous l'avez dit, le monde a changé énormément. Aujourd'hui, nous commerçons plus avec des pays du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil, ou même un peu entre nous, voyez, qu'avec la zone euro, qu'avec la France et la zone euro. Donc, ces relations privilégiées qui existaient auparavant, elles doivent changer. Et même pour la France, parce que vous savez, la France achète beaucoup plus à l'Angola, pétrole. Bon, elle achète toujours du pétrole congolais, bien sûr, Congo-Brazza, ou un peu du Tchad. Mais elle achète beaucoup plus à l'Angola, au Mozambique. Elle fait beaucoup plus de commerce avec l'Afrique du Sud, avec ses pays, qu'avec nos pays, qu'avec les pays de l'UMOA, par exemple. Donc, je ne vois pas l'intérêt de la France de maintenir ces relations, cette relation, sauf peut-être sur le plan géostratégique pour elle, maintenir sa domination sur nos pays, ça lui donne un statut de grande puissance, entre guillemets. Ça lui permet d'aller dans les réunions, dire oui, nous avons une relation privilégiée avec tant de pays africains, donc ça nous donne de l'importance aux Nations Unies, au sein du G8, au sein de l'Union Européenne, etc. Pour dire voilà, nous avons toujours des colonies, même si en Afrique, et par conséquent, nous sommes importants. Mais sur le plan économique, ça n'a plus de sens. Sur le plan économique, ça n'a plus de sens parce que les relations économiques ont beaucoup diminué et la France échange plus avec des pays qui ne sont pas membres de la zone CFA qu'avec nos pays. Et par conséquent, nous, notre intérêt, c'est de dire cette relation, on doit y mettre fin parce que nous devons avoir la liberté d'avoir notre propre monnaie et de continuer à diversifier nos relations, tout en maintenant les relations avec l'Union européenne, bien sûr, parce qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique, et surtout nos pays, quand même c'est des siècles de relations qui existent et nous ne voulons pas que ces relations soient rompues, mais qu'elles soient des relations basées sur le respect mutuel, sur la souveraineté. Oui, il faut... La dévaluation du franc CFA, parce que là, la dévaluation du franc CFA se ferait par rapport à l'euro. Est-ce que ça profiterait à la France? Bien sûr, parce qu'elle pourrait acheter des produits moins chers, surtout les matières premières, le pétrole, le café, le cacao de Côte d'Ivoire, elle l'achèterait moins cher, elle paierait moins, évidemment, ce serait un bonus pour elle, surtout avec cette crise qui la tenaille et l'austérité budgétaire. Donc si elle pouvait, au lieu de dépenser 100 milliards pour acheter des matières premières, elle pouvait dépenser 80 milliards, ça lui fait 20 milliards de bénéfices, c'est toujours bon à prendre. Et donc, effectivement, s'il y avait aujourd'hui une dévaluation, ça ne profiterait pas seulement à la France, ça profiterait également aux autres pays de la zone euro qui achètent du pétrole, du café, du cacao, des arachides, du poisson frais du Sénégal, et ainsi de suite. Ça leur profiterait beaucoup. Ou le bois du Gabon, des choses comme ça. Évidemment, ils achèteraient ça moins cher.
que le prix actuel. Et ça profiterait à leurs économies qui sont aujourd'hui dans une situation assez difficile. Ça, c'est vrai. Arcade, c'est une organisation qui a une vocation panafricaine et qui réunit un certain nombre de personnes qui pensent que l'Afrique doit trouver sa propre voie de développement. Nous avons des devanciers comme Joseph Kizerbo, Thomas Sankara et autres qui sont morts en défendant ce genre d'idées, ou des gens comme Samir Amin qui disent que nous devons réfléchir par nous-mêmes, élaborer nos propres politiques et partir de nos réalités. Arcade s'inscrit un peu dans cette vision-là. Et quand nous parlons de développement de jeunes, un développement qui est d'abord pensé par les Africains, qui utilise, qui s'appuie sur les ressources africaines, qui utilise les ressources humaines, c'est-à-dire les Africains, des entreprises africaines, des ingénieurs africains ou autres, en tout cas pour impulser ce développement. Cela ne veut pas dire qu'on s'enferme complètement par rapport au reste du monde, mais ça veut dire compter d'abord principalement sur nous. Et ce qui viendra de l'extérieur sera un apport, mais par rapport à nos propres efforts, par rapport à notre propre vision de ce que doit être le développement de l'Afrique, par rapport à l'utilisation de nos propres ressources, et non plus continuer à tendre la main, à dire « oui, nos partenaires au développement vont faire ceci, vont faire cela », alors qu'on a vu que depuis qu'on est indépendant, ces partenaires au développement n'ont fait que nous sous-développer. Et c'est pourquoi moi je les appelle partenaires au sous-développement, parce que plus on parle d'aide, plus on parle de pauvreté, plus on parle de recul, plus on parle de pays moins avancés, comme le Sénégal et comme d'autres pays. Et par conséquent, nous pensons qu'il est temps que les Africains s'arrêtent et se disent que leur développement dépend d'eux, que personne d'autre ne viendra les développer. Et que pour cela, ils doivent trouver une voie qui leur soit propre. Les exemples venant d'autres pays peuvent être positifs et peuvent nous être utiles. Mais nous devons d'abord réfléchir par nous-mêmes, trouver notre propre voie et voir ce que nous avons comme ressources ici, d'abord. Et comment utiliser au mieux ces ressources, même si on peut accepter des apports extérieurs. Et c'est ça ce que nous appelons le développement de jeunes, et c'est dans cette vision que s'inscrit Arcade. Oui, vous savez, c'est un vieux projet. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Certains obstacles sont objectifs, c'est des réalités que vivent nos pays. D'autres obstacles, c'est des obstacles politiques, tout simplement. Alors, parmi les obstacles objectifs, il y a eu l'instabilité, des guerres civiles dans certains pays, comme le Libéria, comme la Sierra Leone, l'instabilité dans des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, depuis 2000 à peu près, avec l'arrivée de Gbagbo au pouvoir, la rébellion, la déstabilisation par la France, etc. Donc ça, ce sont des obstacles objectifs, parce que ça freine les discussions, le processus de mise en application des mesures qui sont arrêtées, parce que quand un pays est en guerre, il ne peut pas appliquer quoi que ce soit, il ne peut pas respecter ce qui est adopté en commun. Ça, c'est évident, ça va de soi. Ça, c'est vraiment des obstacles réels que tout le monde peut constater. Nigeria, le Nigeria lui-même,
qui est le poumon de cette CEDEAO, avec tous les soubresauts, coup d'état militaire, etc., qu'il a connu, et maintenant avec Boko Haram, etc. Mais il y a des obstacles politiques, c'est-à-dire que les pays membres de l'UMOA, ceux qui utilisent le franc CFA, n'étaient pas chauds pour aller vers cette monnaie unique, préférant garder ce face-à-face avec la France. Vous voyez, disant oui, on leur fait croire le CFA, c'est une très bonne monnaie, c'est bonne monnaie. Alors, vous voyez, les autres ont des problèmes, vous, vous êtes stable, etc. Alors que la plupart d'entre eux, c'est des pays moins avancés qui vivent dans la pauvreté comme les autres et même peut-être pire que les autres. Donc c'est tout ça qui a fait que ce processus a été retardé. Bon. Et évidemment aussi, il y a des problèmes financiers parce que certaines décisions exigent des dépenses de la part des États qui n'en ont pas les moyens. Et si ce sont les autres qui doivent vous financer, évidemment, ils vous financent selon leurs conditions et vous ne pouvez pas avancer comme vous le voulez. Alors, donc, ça a traîné, mais je crois, maintenant, avec la crise qui sévit dans le monde, avec les changements qu'on a constatés, la diversification des partenaires, des possibilités qui existent ailleurs qu'au niveau de l'Union européenne, par exemple, qu'au niveau de la France. Le changement de mentalité aussi. Voilà. Les gens ont pris conscience de la nécessité d'aller vers cette monnaie unique. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous voyez ? Et ils pensent que c'est le seul moyen aujourd'hui de bâtir cet espace qui est la CEDEAO, et de nous donner la chance vraiment de bâtir des politiques de développement. Et c'est pour cela que depuis quelques années, les chefs d'État se sont mis d'accord sur une feuille de route, ce qu'on peut appeler une feuille de route, pour qu'en 2020, c'était cette année, normalement 2015, l'échéance c'était 2015, maintenant ils ont repoussé de 5 ans pour que cette fois-ci en 2020 il y ait cette monnaie unique. Et dans ce processus, il y a une task force présidentielle qui a été mise en place, et cette task force présidentielle a donné une nouvelle dimension, une nouvelle impulsion à ce processus. Et il y a aujourd'hui ces 4 chefs d'État qui font partie de cette task force. Il y a la Côte d'Ivoire, Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il y a Youssoufou du Niger, il y a Mahamat du Ghana, et il y a le Nigeria. Donc ce sont ces 4 pays, 2 anglophones entre guillemets, 2 francophones entre guillemets, et qui se réunissent au niveau de cette task force pour mesurer le chemin parcouru, pour inciter les États à mettre en œuvre les décisions qui sont arrêtées pour que cette fois-ci, l'échéance de 2020 soit respectée. Et nous, de notre côté, nous nous battons pour mobiliser l'opinion pour que cette échéance soit respectée. Et c'est dans ce contexte qu'on a eu ce colloque à Paris auquel a participé au mois de septembre dernier. Nous préparons également un autre colloque l'année prochaine, ici, au mois de septembre-octobre, avec les mêmes participants et bien d'autres. Mais c'est dans ce processus également que l'année dernière, il y a un an, c'était au mois de décembre, que nous avions invité un de nos compatriotes, le professeur Mohamed Ben Omar Ndiaye, qui est le directeur général de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui pilote tout ce processus-là et qui était venu nous parler des progrès qui ont été accomplis, des obstacles, et de son optimisme que cette fois-ci,
l'échéance de 2020 sera respectée. Donc nous travaillons dans ce sens-là et nous essayons de nous mobiliser au sein des mouvements sociaux, au sein de l'opinion, de faire du lobby auprès des décideurs pour que cette fois-ci, cette échéance soit respectée. Les Anglais, là, les anglophones, ils sont déjà en train de faire leur wam-wam. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Donc, comment ça va fonctionner Voilà, dans le processus, c'est que tout, comme les 8 pays de l'UMOA ont une monnaie commune, les autres qui ont des monnaies différentes, ils vont former une zone monétaire pour harmoniser et pour pouvoir donc graduellement éliminer les distorsions qu'il y a entre ces monnaies. Et c'est pourquoi la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour que ces 7 pays qui ont des monnaies différentes puissent commencer à travailler ensemble pour voir comment éliminer les obstacles qui existent entre leurs différentes monnaies. Et après, comme les 8 pays de la zone CFA ont déjà une monnaie commune, pour qu'après, cette monnaie CFA et les autres puissent être éliminés un jour et avoir une monnaie qui est commune aux 15 pays. Oh, et dernière question, je vous promets, et carrément aller vers une monnaie de l'Union africaine, parce que j'ai entendu que vous parlez que maintenant, il y a déjà au niveau de Dakar un secrétariat qui travaille, qui unit 40 banques africaines sur le continent pour créer une réserve alternative au Fonds Banque mondiale et AMF. Et c'est vraiment en train de se mettre en place. Et il y a aussi en 2017 cette vision de marché commun au niveau de toute l'Afrique. C'est ça. Au niveau de la Commission de l'Union africaine, basée à Addis Abeba, il y a ce qu'on appelle Afrique 2063. Afrique 2063. C'est la vision qui a été esquissée en 2013 que pour les 50 prochaines années, l'Afrique va être un continent développé, un continent uni, un continent qui aura sa propre monnaie, qui aura un seul marché. C'est dans ce processus de Afrique 2063 que ces projets ont été consolidés. Mais ils existaient avant. Parce que l'idée d'une banque centrale africaine, d'un fonds monétaire africain, c'est une idée qui a été lancée avec comme force principale le président Kadhafi, Libye, qui a été assassiné par les impérialistes de l'OTAN, comme on le sait. Donc, Kadhafi était une force derrière cette unification du continent sur le plan politique, sur le plan monétaire, sur le plan économique, mais également sur le plan militaire, parce qu'il parlait d'une force militaire africaine pour défendre le continent. Oui. Alors, donc, la Banque centrale africaine réunit aujourd'hui, c'est un projet qui réunit aujourd'hui 40 banques centrales. Et le secrétariat permanent est ici, à la BCAO. Le secrétariat est là, à la BCAO. Et les gouverneurs de ces banques se réunissent régulièrement pour faire le point. Et ces gouverneurs disent que techniquement, c'est possible. Mais c'est au niveau politique. C'est parce qu'il faut que les chefs d'État décident qu'à telle date, nous voulons avoir notre banque centrale et qu'à telle autre date, nous voulons avoir notre monnaie commune. Mais au niveau de beaucoup de gouverneurs de banque centrale, ils disent que techniquement, c'est possible. Il n'y a aucune raison que l'Afrique ne puisse pas avoir sa banque centrale, sa monnaie unique, pour accompagner surtout ce processus, ce projet, ce grand projet de marché unique en Afrique qui doit débuter en 2017. Et cette banque centrale aura pour siège Abuja, au Nigeria. Le fonds monétaire, son siège, c'est à Yaoundé, c'est au Cameroun. Et déjà,
il y a des gens qui sont désignés pour être à la tête de ces entités-là. Il y a un Camerounais qui pilote le projet de fonds monétaires africains. Voilà, qui travaille. Il paraît qu'ils sont, ils sont en train de construire déjà le siège. C'est très avancé. Ils sont en train de construire le siège. Donc, c'est vraiment un projet concret. Ce n'est pas sur le papier, mais c'est concret. C'est concret. Aussi bien pour la Banque centrale que pour le Fonds monétaire. Et tout cela, c'est pour harmoniser. D'abord, essayer de réunir les réserves de change au sein du Fonds monétaire pour soutenir les monnaies africaines et pour essayer aussi de lever les obstacles, tu vois, au change entre elles pour graduellement arriver à une monnaie africaine commune. Bon, il y en a qui disent que en 2020, 21 ou 22, c'est dans ces parages que la Banque centrale va démarrer et que quelques temps après, il y aura cette monnaie commune. Donc, si bien que pour nous, si au niveau de la CEDEAO, cette monnaie commune voit le jour en 2020, ça va donner un coup de fouet au projet de la Commission de l'Union africaine.